Mi o o que o o na mi na mi na o na na o o que o o na o o na mi na o o na mi 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 na mi que o na 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 mi o na que 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 mi na o. Konnichiwa les kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui, ha ha ha, on est sur mon île hémisphère nord. Et oui, ha la la la, je sais pas si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, mais oui, il y a un nouvel habitant sur mon île. Il restera pas longtemps, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que ça fait un petit peu de renouveau et du coup, eh ben on va les découvrir. Je vais vous faire découvrir à tous ceux qui savent pas qui c'est et qui n'ont pas suivi les vidéos. Et ben vous allez voir qui c'est, j'ai hâte de voir sa maison d'extérieur et d'intérieur. Mais avant de commencer ce let's play, vous avez l'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, go vous abonner direct. On a passé les 90 000 abos, c'est juste une dinguerie. Un immense merci à tous, franchement merci, merci, merci beaucoup. C'est juste un truc de fou et c'est la dernière ligne droite pour les 100 000 abos. C'est un truc de ouf, hein. 100 000 abonnés sur la chaîne. En tout cas, enfin, voilà, moi, ce que j'avais envie surtout aussi, c'est de vous remercier et de me faire vivre une aventure incroyable sur YouTube. Donc voilà, c'est dit, un grand merci à tous, je vous embrasse très 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 fort. Et bien, tous ceux, comme vous l'avez compris, qui ne sont pas encore abos, aidez-moi à aller jusqu'aux 100 000 à vous abonner sur cette vidéo si vous me découvrez. Bref, les petits pouces bleus, je vous le rappelle comme d'hab. Et du coup, c'est parti. Comme d'hab, vous avez l'habitude de mes let's play. On offre des cadeaux. On n'en a que 3 à offrir maintenant, vu qu'on a récupéré aussi la photo de Rosie la dernière fois. Il va falloir qu'on continue évidemment l'escroc de Didi, hein. Toujours et encore, et ben on continue pour essayer d'avoir sa deuxième photo. Et on a May et Cookie que on n'a pas encore, qui viennent d'arriver sur l'île. Donc du coup, on n'a pas encore, eh bien, on n'a rien du tout. On n'a absolument rien du tout et on continue évidemment à rush avec elle. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai changé, je sais pas si vous avez capté. J'ai pas mis une tenue kawaii, j'ai mis un petit t-shirt chat laser, mais que j'aime bien. Je vérifie un petit peu dans mon courrier, qu'est-ce que j'ai. Oula, ah là là, j'ai pas ouvert la dernière fois, c'est vrai. C'est vrai, oh regardez. On avait la quête de Gulliver, c'est vrai, j'avais galéré de ouf. Oh, j'avais galéré de ouf. Ok, oh ben, on récupère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on récupère aussi. J'avais des objets, en fait, qui étaient pour mon île hémisphère. Ah ouais, ça, c'était pour mon île hémisphère sud. Hein. Ah là là, vous savez quoi? C'était pour faire la déco de la salle de classe. Aïe, aïe, aïe. Et bon, c'est pas grave. Eh ben, c'est tant pis. C'est tant pis parce qu'en vrai, la salle de classe, elle est déjà finie. On récupère tous les cadeaux des habitants qu'ils m'ont envoyés. Évidemment, je ne lis pas mon courrier. Je jette tout pour que ce soit nickel. Je récupère pas tout de suite les objets parce que ça va prendre de la place dans mon inventaire. Pour rien, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on récupère de Gulliver? Une poupée hawaïenne. Oh! Ah là là, elle est trop cute! Je vous montre, pour tous ceux qui ne connaissent pas, elle danse. Ah ouais, elle est trop mignonne, regardez ça. Elle danse! Ah là là, elle est trop cute, regardez ça. Trop mims! J'aime bien en plus la couleur, elle est sympa. Je ne sais pas si on la personnalise ou si elle existe de plusieurs couleurs. Je pense qu'à mon avis, elle existe de plusieurs couleurs. C'est plutôt ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un téléphone sans fil, ok. Oh, c'est quoi ça? Salle d'al PVC rouge et noir. J'ai déjà sûr à 200%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la statue guerrière. Bon. C'est incroyable, ça, dis donc. Regardez-moi ça. Je sais pas qui c'est qui m'a envoyé ça, mais c'est cool, c'est sympa. Merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. On passe évidemment, comme d'hab, chez les petits choubidous d'amour. Comme ça, on récupère du papier cadeau, me semble-t-il. Oh, salut, Cookie, on lui parle. Ah là là, vu d'en haut. Oh hey Kibi, quoi de neuf? Ça fait un moment que je t'ai pas croisé. Tu m'éviterais pas par hasard? Pas du tout. Absolument pas. Je sais pas. Tu sais, je passe toujours un bon moment quand je discute avec toi. Et ben c'est incroyable. Elle est trop mime, avec son petit nevers là sur la tête. Regardez-moi ça. Trop cute. Bref, on va récupérer du papier cadeau. Et comme ça, on pourra lui offrir son petit cadeau à elle. Allez, c'est parti, c'est parti. Hello les petits choubidous d'amour. Tout à l'heure je voulais faire un truc et j'ai zappé. C'était récupérer les miles parce que comme je me suis changée avant la vidéo et aussi j'ai été expertiser les fossiles. Et ben, non j'ai rien pour le fait que je me sois changée. Par contre il y a expertise des fossiles.
Ok, et ben c'est tout, ok. Donc bref, alors, non, il n'y a rien qui m'intéresse par ici, la caisse à jouer, je connais déjà la balle, le ballon de volley, j'ai déjà aussi. Du coup, et ben on récupère du papier cadeau, et puis ça sera tout pour aujourd'hui, chez les petits choupidous d'amour. Hein. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de sympa, du vert, un peu cacadois, et du noir. Oh, c'est triste. Go prendre du noir. Go prendre du noir parce que le vert cacadois, pff, c'est pas trop le genre de couleur que j'aime bien. On va en prendre 5 vu qu'on a 3 cadeaux à offrir. Et puis, comme d'habitude, eh ben, on fera un petit peu de gaspillage pour l'autre. Parce qu'en vrai, j'ai plein de morceaux, en fait, eh ben, de restes de papier cadeau dans mon inventaire. De toutes mes îles. C'est juste une dinguerie. Et puis après, eh ben, je les revends. En vrai, c'est ce que je fais. Je revends après. Mais je devrais les utiliser. Ça ferait moins de gaspillage. Bon, allez, salut! Mais c'est vrai, en plus je vous ai même pas dit, ça a annoncé dans le bulletin insulaire de Marie, mais regardez, il y a des citrouilles! Il y a des citrouilles qui sont juste ici. On est, ça y est, à l'automne. Je pense que ça y est, on est à l'automne. L'herbe va changer petit à petit de couleur. Et elle va devenir, eh bien, marron vert cacadois. Ouais, marron vert cacadois. Waouh, c'est super sympa de venir me faire la causette. Bah ben, moi je voudrais juste offrir un truc, tiens, voilà. J'espère que tu vas vite me filer ta photo. Et comme ça, ça serait cool, je serais hyper contente. Oh, c'est quoi? Eh ben, ouvre, hein, tu verras. C'est pas vrai, un crâne de triceratops. T'as vu, c'est incroyable, hein? Oh là là, et j'espère, je vous ai même pas dit, une lampe lave. Merci. Oh, c'est trop mignon, ça, dis donc. Merci, merci, ma petite cookie, des bisous. Je vous ai pas dit, je vous ai souhaité hier une très bonne rentrée à tous, mais je vous le souhaite. Je sais que hier, c'était pas forcément la rentrée de tout le monde, mais... Enfin voilà quoi, du coup, et ben pour tous ceux qui rentrent aujourd'hui, qui sont rentrés aujourd'hui ou qui rentrent demain, et ben je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Coucou mon petit Mathéo. Oh cette chère Kibi, ça faisait longtemps. Bah ouais, t'as vu, ça faisait un bail, hein, c'est incroyable, hein, ouais je sais. Bon des fois comme ils disent toujours la même chose, et ben franchement voilà quoi. Oh bah zut alors, ta photo escroc, je me balade juste. Allez salut. Ah là là, on a sur la place, c'est Rosa Tiquette, Cousette, enfin voilà, une des cousines des Miss Doigts de Fée. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant sur la plage? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, on va pas... Il n'y a rien à voir ici d'intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté de l'île. Cookie, du coup, on l'a déjà vu. Ensuite, on a juste ici mon petit Raymond. Il est chez lui. Oh, venez, on passe lui faire un petit bisou. Hello, mon petit Raymond. Ah là là, c'est le bazar, c'est le bazar, c'est le bazar chez toi. Comme d'habitude. Coucou. Kibi, je trouve enfin. Oui, oui, le truc entre nous, nanana, blablabla. Ok, attendez, je lui dis je me balade juste genre. Eh ben, je me balade, c'est tout. Ok, pas de soucis, des bisous, des bisous, des bisous. Bye bye. Ok, mon petit Raymond, c'est fait. Je vais juste vérifier devant, sur les plages, s'il n'y en aurait pas, eh bien, une petite bouteille à la mer. Je sais que moi, je connais déjà presque tous les plans, mais c'est important, comme ça, après, je les transfère, eh bien, sur mon île hémisphère sud. Pour bébé, ah bah voilà, bébé Maeve et l'autre Kibi. Hop là, on vérifie le plan. Peut-être que c'est en vrai, c'est un plan qu'on connaît pas. Hein. C'est peut-être quand même un plan qu'on connaît pas. Alors, il vient de Bigoudi. Qu'est-ce qu'elle... Une librairie de poche. Eh ben, je connais déjà. Eh ben voilà, ça sera pour bébé Maeve. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer juste par là. Et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, la maison de Tupux. Je ne sais pas si vous avez capté, mais j'ai récupéré Tupux sur la chasse à l'habitant. Oh là là! Oh! Il y a plein de mauvaises herbes ici, dis donc. Oh! Ah ouais! Ah, vous avez vu la couleur de l'herbe? J'aime bien, en vrai, pour l'instant, elle n'est pas trop mal. Mais petit à petit, ça va être de plus en plus claqué au sol. Oh, je vois sa maison d'ici. Allez, c'est parti. Go, 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 go. Sa maison, oh là là, elle ressemble à une maison, aux maisons de la team des casques. Oh là là, regardez-moi ça. C'est une maison en tôle, comme la team des casques. Il n'y a pas que la team des casques, évidemment. Hein. Il y a aussi Rosanne. Rosanne, sa maison, elle est comme ça aussi, genre en tôle. Et ben ouais, c'est pas mal stylé. Et en vrai, comme c'est un catcheur, et ben je trouve que c'est parfaitement dans le thème. C'est parfaitement dans son thème. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est parti. Oh ah là là, énorme. Ah là là, énorme. Ah, je savais pas que c'était comme ça dans son intérieur.
Eh ben, ouais, hein, comment vous dire, c'est logique. C'est carrément logique. Oh, ça claque! Oh, ça claque de ouf! Oh purée, je kiffe! J'aime trop! J'aime trop, c'est trop rigolo! Hé, Kibi! Eh ben, ma grande, t'as l'air toute surprise de me voir! Je t'avais bien dit que je viendrais m'installer ici. Bon, en même temps, c'est moi qui t'ai dit de venir, hein. Je vais revoir tout mon programme d'entraînement pour ce nouveau départ. J'ai hâte de commencer. Bah, tu sais, tu vas pas rester très très longtemps, hein. Ah là 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 là! Prépare-toi à transpirer, Kibi! Aïe 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 aïe. Bon, il y en a plein qui m'ont dit oui, il n'est pas du tout kawaii. J'ai pas pris un habitant kawaii, j'ai pris un habitant que j'avais envie de prendre parce que un habitant genre de passage, c'est vraiment un habitant de passage. Il va être juste là le temps que je récupère, et eh bien que je prenne la carte amiibo de Néferti et que je la rescanne pour récupérer, et eh ben Néferti évidemment, hein. Et d'ailleurs, je me suis posé une question, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez pas que je devrais peut-être transférer Néferti sur mon île hémisphère sud et lui faire une déco et ben lunaire, refaire un peu en fait la déco qu'il y a déjà chez elle, mais en mode peut-être un peu plus, enfin elle est déjà un peu lunaire en vrai, hein, la déco de chez elle. On va ressortir et on va regarder ensemble, mais enfin voilà quoi. Bref, et ben je suis super contente de découvrir l'intérieur de maison de Tupux. Donc voilà, pour tous ceux qui ne l'aiment pas, de toute façon, il va pas rester longtemps sur mon île. C'est juste que j'avais envie depuis très longtemps de la voir. Et comme j'ai pas eu l'occasion d'avoir un thème d'île qui correspondait et bien à lui, et ben c'était l'occasion de le faire venir très rapidement sur Kibi Island. On va lui reparler vite fait. Et puis après, et ben on va regarder un petit peu l'extérieur et bien de chez lui. T'as l'air de déborder d'énergie, toi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Eh ben, je me balade. Voilà, allez, bisous, bisous. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de la déco de chez lui, mais en vrai, franchement, eh ben, je kiffe de ouf. Je trouve que c'est grave stylé, mais vraiment, vraiment, vraiment grave stylé. Donc, voilà ce que ça donne pour la décoration de chez Néferti. En vrai, ça pourrait être sympa de refaire cette déco sur l'île, peut-être en améliorant quelques petites choses, mais en vrai. Je trouve qu'elle fait plutôt quand même, elle pourrait faire grave lunaire, évidemment pas du tout avec le même motif au sol, hein. Pas avec ce motif-là au sol et pas avec de rose, parce qu'en vrai, j'ai rajouté du rose sur sa décoration pour que ce soit un peu plus kawaii, et j'ai mis également eh bien, ce motif au sol-là pour que ça fasse kawaii, mais en vrai, eh ben, Néferti, elle n'est pas du tout kawaii, elle est plutôt Égypte, et du coup, je pense que ça pourrait être cool de faire. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'hésite vraiment, c'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas encore récupéré sa carte Amiibo pour la scanner, et c'est parce que j'avais aussi envie d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que vraiment, je pense que cette décoration pourrait être vraiment très 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 lunaire, et d'ailleurs, si je transfère Néferti, je pense à mon avis que je transférerai également Raymond, parce que Raymond, eh bien, il fait pas trop kawaii. Et il est en couple avec Néferti, donc je ne veux pas absolument pas les séparer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'à mon avis ça pourrait être cool, et du coup ça voudrait dire récupérer deux habitants, et bien deux autres habitants ici pour cette île-là, mais des vrais habitants kawaii qui soient vraiment dans le thème de l'île. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous le redis, n'hésitez pas à me dire. C'est une question que je me pose en vrai depuis hyper longtemps, et je sais pas, j'arrive pas à passer le cap de je sais pas, de les transférer, quoi, j'arrive pas à passer le cap. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que je ferai un sondage, je sais pas. On va vite voir chez Christine. Est-ce que Christine est là? On passe évidemment, on fait des petits bisous à tout le monde. Allez, bah, Christine est chez elle, c'est parfait. Hello ma petite Christine, elle est en train de faire son petit sport sur du bubble gum. Oh là là, elle s'entretient la petite Christine, hein. Elle a raison. Chez elle, vous avez vu, ça s'est grave amélioré. Il y a eu des moments où c'était vraiment plus possible son intérieur de maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, je comprends pas et tout, je trouve ça complètement nul que tu les vires juste à cause de leur intérieur de maison. Mais en vrai, les gars, chacun ses goûts, hein. Si j'ai envie de virer les habitants parce que leur intérieur de maison ne me plaise plus, ben j'ai le droit. Chacun ses goûts. Bref, on va lui dire quand même un petit bonjour, hein. C'est fou, je voulais justement te voir, Kibi. Et ben tu vois, moi aussi, discutons un petit peu. On dirait peut-être pas, mais je suis super exigeante quand j'achète une nouvelle chaise. D'abord, elle doit être jolie. Plus il y a de paillettes, mieux c'est. Bon, moi aussi, j'adore les paillettes. T'as raison, ma cocotte, hein.
Après, si elle est confortable, c'est un plus. Et ben, elle a raison, et mais pas tellement quand même, parce que moi j'aime bien quand même quand c'est confortable, et puis que c'est beau aussi, mais c'est mieux quand même que ce soit quand même d'abord confortable et après joli. Bon, allez, salut! Aïe aïe aïe, bref, bon, continuons ce petit tour. Ah là là, oh, on a plein de fossiles qui ont poussé ici. Et bah, vous savez quoi? J'ai pas de pelle, alors on les récupère pas. Aïe 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 aïe. Ok, la Nadine, elle n'est pas chez elle. Et ben, c'est pas très très grave. Est-ce que l'escroc de Didi se trouve chez elle? On va aller voir ça tout de suite. Et oui, elle est là. Et ben, c'est parti. Ah, elle est en train de pioncer. Elle est en train de pioncer, regardez-moi ça. Et le petit hamster qu'elle m'a escroqué la dernière fois. Escroc total. Elle m'a. Regardez-moi ça. Elle me l'a presque volé. Ouais, je vous assure, hein. Je vous assure. Oh, elle a mis le petit pull. Oh là là, elle a mis le petit pull des rêves. Et franchement, regardez-moi ça. Mais regardez comme elle est belle. Oh, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Elle est trop jolie. Allez, réveille-toi. Allez, allez. Oh, c'est vrai ça. C'est bientôt, j'allais dire c'est bientôt Halloween. C'est pas bientôt Halloween, mais c'est la prochaine fête qui arrive. Et du coup, je suis trop contente parce que j'adore Halloween. J'adore de ouf Halloween. Ah là là, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose sur le thème d'Halloween, sur cette île-là. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Ma parole, c'est toi. En quoi puis-je être utile, ta photo escroc? Bah, me filer ta photo. Tiens, ça te ferait plaisir. Un petit cadeau. Elle est dure en affaires, hein. Ça a été très très dur. La seule, c'est vrai en vrai, où j'ai eu sa deuxième photo. Vous savez qui c'est? Eh ben, c'est Laura. Eh ben, Didi, ça serait cool qu'elle me la file aussi. Allez, file-moi ta deuxième photo, là. Qu'est-ce que c'est? Un Milokun Ninja. Ok. Allez, la photo, la photo, la photo. Pas du tout. Une veste d'équipe de danse. Ok, bon, bah c'est pas encore pour aujourd'hui. C'est pas grave. Au moins, on continue. Allez, salut! Ok, bon, bah toujours pas sa photo. Là, il y a beaucoup trop de fleurs, hein. Oh, ah là là, il y a beaucoup trop de fleurs. Il va falloir qu'on en enlève. Ok, ici c'est nickel. Est-ce que petite Marina, elle est ici? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas très très grave. De toute façon, les habitants, quand je les trouve pas, hein, eh ben, je les cherche pas non plus. C'est pas très très grave. Le but étant de faire tout le tour de l'île pour au moins aller dire bonjour un peu à tout le monde. Et très souvent, je les loupe parce que je passe à côté et je les vois pas. Allons voir chez Rosie. Eh oui, la petite Rosie, elle m'a déjà filé sa photo, mais je veux absolument dire bonjour à tout le monde. En plus, j'allais dire peut-être qu'elle était en train de craft. Bingo! Elle est en train de craft. On discute enfin ensemble. En vrai, tu m'as manqué. Regardez cette tête, elle est trop mimes. Elle est trop trop cute. Et quelqu'un qui m'a demandé dans mes commentaires la dernière fois, est-ce que Romain aimait bien Rosie? Je sais pas. Mais je pense que oui, je pense qu'il la trouverait très cute, mais je pense pas qu'il. Je sais pas trop s'il s'intéresse à elle. La vache, j'ai de l'or dans les doigts, regarde-moi ça. Allez, envoie ton plan. Qu'est-ce que c'est? Oh mince, qu'est-ce que c'est? Oh là là, elle dit burp. Oh là là, un tas de cartons. Bon, je connais ça, c'est sûr, mais c'est pas grave, on va récupérer pour l'île hémisphère sud. Allez, vas-y, envoie. Bah ouais. Allez, donne-moi ça. Merci, ma petite Rosie. Aïe, 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 des bisous. Alors, voyons voir, est-ce que bébé chou Mathéo, il n'est pas chez lui? Il n'est pas chez lui, il n'est pas chez lui. Bon, oulala, le bug. Oh là là, vous avez vu un petit peu les objets qui ont disparu et qui ont réapparu? Ah là là, ça c'est parce que mon île est très chargée en objets et du coup ça a grave du mal à charger. Ça fait un peu chelou des fois, mais bref. Et je sais que mon île hémisphère sud, elle commence déjà à être un petit peu comme ça aussi. C'est flippant. C'est très 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 flippant. Du coup, bon, on a déjà récupéré la bouteille à la mer, donc du coup par ici, je sais qu'on va pas la récupérer. On fait quand même le tour des pages, peut-être qu'on a. Oh, regardez, May, elle est juste ici. Attends, May. Coucou. Kikou. Kibi, on ne se voit plus, ma chérie. Je ne sais pas à quand remonte notre dernière discussion. C'est un peu de ma faute aussi, tu avais l'air si occupée que je ne voulais pas te déranger, je ne voulais pas déranger. Et bon, c'est pas grave, hein. Alors. Ah, elle a une puce! Les démangeaisons. Oh! J'ai pas de filet sur moi, elle a une puce! Oh my god! Oh là là, comment. Il faut vite que je trouve. Attends, voilà, c'est pour toi. Oh my god, vite, 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 va falloir que j'enlève sa puce, mais j'ai pas de filet sur moi, il va falloir vite que j'aille acheter un filet. Vous avez vu, ça saute. Ah, berk.
Ah, c'est dégueu. Un corps de tyrannosaure. Ok, c'est cool. Vas-y, vite, file-moi ton cadeau, un pull polaire à motif. Ok. Oh, ah là là, vite. J'espère qu'elle l'aura encore, parce que ça fait gagner des points d'amitié. Vite. Run. Ah là 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 là, vite. Oh purée, évidemment, je vais me prendre tous les objets qui sont au passage. Aïe aïe, non, ça va là. Ici, c'était assez dégagé. Du coup, vite. J'espère qu'elle l'aura encore, parce que je veux absolument gratter ce point d'amitié. Je récupère le filet et on se retrouve tout de suite après. Allez, j'ai acheté mon petit filet. On va s'équiper tout de suite et on va courir très vite vers May. Oh là là, il est beau. Regardez ce filet. Il est magnifique. Filet étoile jaune. Il est trop cute. Trop cute. Bref, elle était par ici. Est-ce qu'elle est encore là? Aïe. Elle est plus là. Oh, sur la plage. Elle est là-bas. Oh, oui, elle est encore. Yes. Tadam. Tu as attrapé une puce. Non, merci, tu peux la garder. Non, j'en veux pas non plus, hein. J'avais des puces, je ne savais même pas. Moi qui me considérais comme un modèle d'hygiène de vie. Bah, c'est que tu devais être un petit peu cracra, ma cocotte. Hein, mais c'est pas très grave. Hein. C'est normal, t'as un mouton. Hein. Tu viens de me sauver la mise, Miss. Merci, le tourni. Eh ben, de rien. De rien. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la décoration de chez May, eh bien, la voici. Hop, on récupère la mauvaise herbe qui traîne par là. Et ici. Et voilà, c'était le petit tour chez May pour lui enlever sa petite puce. Ah là là, c'est un peu cracra, hein. C'est totalement cracra. Bref, et ben vous savez quoi, c'est parti. Bon, il n'y a pas de Gulliver ni de Gullivar sur la plage. Du coup, voilà, je regarde quand même ici parce que très souvent, et ben des fois, il spawn là et il reste coincé. Après, il fait comme ça, devant le palais de minuit. Et bref, c'était juste pour dire ça. On va se diriger vers, je sais pas qui c'est qu'on n'a pas vu aujourd'hui, dis donc. Oh là là, on va faire un petit point, on va se mettre sur la place. Et on va faire un petit point de qui on n'a pas croisé. Oh, vous savez quoi? Je vais vite faire un petit tour chez Sœur Doigt de Fée. Hello les Miss Doigt de Fée. Regardez qui c'est qu'il y a. Il y a Nadine. Je me disais bien qu'on l'avait pas vue. Attendez, on va faire un petit point, vite fait. Hop, j'ouvre la carte. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, la carte de Kibi Island. La voici, la voilà. Du coup, ah oh là là, regardez-moi ça. Il va pas du tout dans le thème. Et en vrai, Raymond, franchement, il est gris. Il passe. En vrai, il passe. Sa maison, pas du tout kawaii. Mais en vrai, Raymond, quand même, il passe. Il passe plus que Néferti. Néferti, vraiment, je pense qu'à mon avis, elle va vraiment partir sur l'île du Sud. Hein. Elle irait beaucoup mieux. Et puis, bah, Raymond, ça serait bien aussi. Hein. Oh là, ça me fait de la peine de les séparer. Ça me fait énormément de peine de les séparer. En plus, ce sont mes deux habitants préférés. Après, ça peut être un habitant... Ouais, je sais pas. Oh là là, je sais pas, j'arrive pas à me décider. Ça va être vraiment toute une logistique, hein, si on fait ça. Hein. Ça va être toute une logistique. Ça veut dire qu'il va falloir changer des décos et tout. Ça va être un peu le bazar. Hein. Oh, aïe, 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 ça va être un petit peu le bazar, tout ça. Bref, du coup... Christine, on l'a vu, Raymond, on l'a vu, Didi aussi, bébé chou, Mathéo, nous l'avons... Ah si, on l'a croisé tout au début. Oh, on l'a croisé tout au début. Vous savez qui c'est qu'on n'a pas croisé? C'est Marina. C'est Marina qu'on n'a pas croisé encore. Et Nadine qui est chez les Miss Doigt de Fée. Ça tombe bien qu'on soit passé juste ici. Hop, on va lui parler. J'ai toujours rêvé d'avoir une robe automnale à carreaux. Je risque pas de te l'offrir parce qu'en plus elle est rouge et pas du tout kawaii. Donc ça va m'embêter un petit peu que tu la portes. Oui, bah elle a pas la... T'as pas assez dans ton portefeuille, c'est pas grave. Allez, salut! J'adore trop la musique. Bref, non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je dirais même qu'il y a que dalle. Il y a la couronne royale juste ici. Mais bon, des couronnes, bon, voilà. Hein. Oh! Et je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est le style de ouf. Et ben, vous savez quoi? J'achète. Bon, comme ça, on ne sera pas venu pour rien. On garde, évidemment. C'est le outfit du jour avec les petites lunettes, comme ça. Elles sont trop rigolotes. Ça te va comme un gant. Merci. Allez, salut. Ok. On range le filet s'il n'y a rien de marcher avec. De courir avec, même, je dirais. Elle est là, Marina. Regardez-moi ça. Elle est juste ici. Vous savez quoi? On va lui offrir tout de suite son petit cadeau. Ça pour une surprise, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super bien et toi? Tiens, je crois que justement, blablabli, blablabla, c'est incroyable. Ok.
Attendez, Marina, elle m'a déjà filé sa photo ou pas? Mais oui, elle m'a déjà filé sa photo. Il faut juste qu'on discute avec elle. Et si on discutait? Oh là là, vous savez quoi? J'ai failli misclick et lui offrir un cadeau. Hein. Oh là là, j'aurais été obligée de lui offrir un truc qui est dans mon inventaire. Oh my god. C'est vrai? Oh là là, vous avez vu ce qu'elle a dit? Elle a dit que ça, c'était émouvant pour elle de voir le socle du partage. Et ben c'est incroyable. Raconte que n'importe quoi. Que des bêtises, la petite Marina. Bon, allez, salut. Bon, je regarde quand même ce qu'est-ce qu'elle a, elle. La petite tiquette. Alors, ma tiquette, qu'est-ce que t'as quand même à vendre? En général, en vrai... Ah non! Oh, elle a pas des trucs à vendre. Elle a une quête. Oh, on la fait pas. Non, c'est claqué au sol, sa quête. Oui, pourquoi pas? Je sais pas. Non, 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 on la fait pas, on la fait pas, on la fait pas, on la fait pas. Ah, on change pas d'avis, je change pas du tout d'avis. Elle est claquée au sol, ta quête. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment bien la quête de tickets pour gagner des trucs nuls. En vrai, c'est juste des tickets, ça sert absolument à rien. Mais bon, bref, et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit let's play vous a plu. Encore un immense merci à tous d'avoir déjà regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à passer le cap des 90 000 en route vers les 100 000 abonnés. Et ben n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous l'avez bien compris, à mettre des petits pouces bleus. Moi, je vous embrasse très très fort. Encore une très très bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés aujourd'hui et tous ceux qui rentreront demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo ou sur un live. Des bisous les kibichis.